eh bien, on distingue le haut et le bas Moyen Âge. Et du coup, il y avait des montreurs d'ours, et pour leur les faire danser, ils les faisaient marcher sur des braises. Alors évidemment, ils rugissaient, ils n'étaient pas contents, ça les choquait les pattes, j'en sais rien, puis ils levaient des pattes. Alors tout le monde imitait l'ours, ça fait on a fait ça la danse de l'ours. Enfin, tous les gens faisaient pareil, levaient des pattes et puis rugissaient pareil. Alors, je pense que c'est une légende. Ah, je sais pas, c'est une explication. La danse de l'ours, ça ne date pas du tout. Traditionnel. Ah non, moi j'ai entendu que c'était plutôt du nord de la France, voire de l'Europe. Du nord de l'Europe, j'ai entendu ça. Ah, non, qu'est-ce qu'il fait? Ah bah oui, il aime les instruments. Et puis voilà, on a Ah oui, mais non, bah lui, je lui laisse toucher les instruments, comme tu dis, le spectre de l'autisme, il ne parle pas. Il est eurasien.